Bonjour, bon dimanche. Bon matin. Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'église Saint-Martin. Je souhaite la bienvenue à la communauté de Saint-Pédis. Il y a de belles choses qui se font, il y a vraiment de beaux gestes, de partage, de générosité, d'accueil. Ce dimanche, on a laissé de la place à la communauté copte orthodoxe qui est en train de célébrer dimanche des rameaux. On ne peut pas être plus que 25 dans l'ensemble du bâtiment, donc c'est pour ça aujourd'hui nous célébrons ici, pour permettre justement à la communauté copte de célébrer les rentrées dans la Semaine Sainte, la communauté de Saint-Martin aussi qui nous accueille. Voilà, il y a de belles choses qui se font justement sur le plan de la communauté. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivent par les biais de l'Internet. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont en direct avec nous. Donc, je vous rappelle que tout de suite après la célébration, qui devait prendre à peu près 45 minutes, il y aura la possibilité de se présenter à l'église Saint-Martin pour recevoir la communion. Donc, vous pouvez déjà vous préparer. Une fois que c'est terminé après la bénédiction, vous pouvez déjà partir à l'église Saint-Martin. Chers amis, nous sommes rassemblés ici, toujours dans cette joie de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger soient toujours avec vous. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger qui a donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons écouter un autre extrait du livre des Actes des Apôtres. C'est ce que nous faisons tout au long du temps pascal. Évidemment, on parle toujours de la résurrection de Jésus, qui est une force, celle de l'Esprit. La résurrection a dynamisé les apôtres et leur a donné aussi de l'audace pour poser les gestes. Mais malheureusement, même une bonne action peut susciter l'hostilité. Jésus l'a vécu lui-même. Les apôtres aussi font la même expérience après avoir relevé un paralytique. La mission des apôtres, nous allons écouter l'apôtre Pierre qui va prendre la parole. La mission des apôtres, c'est d'annoncer que Jésus est ressuscité et que sa résurrection guérit l'humanité de ses infirmités pour la remettre debout. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment
cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Ensemble, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il doit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et le disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Après le dimanche de Pâques, après le dimanche du tombeau vide, après le dimanche de Thomas l'incrédule, après le dimanche où nous avons entendu la suite de l'histoire des disciples d'Emmaüs, ça c'était le dimanche dernier, nous retrouvons aujourd'hui Jésus ressuscité, mais en tant que le bon pasteur, en tant que le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis et aussi qui leur donne sa propre vie. Chaque année, justement, le quatrième dimanche de Pâques, nous lisons un passage de l'Évangile. Ça varie quand même d'une année à l'autre. Il y a différents passages qu'on va lire, mais c'est toujours pour retrouver l'image du bon pasteur. Le quatrième dimanche, c'est le dimanche du bon pasteur, le bon berger. C'est aussi le dimanche quand nous prions pour les vocations, parce qu'on se sent appelé par notre pasteur. Pourquoi l'image du berger, du pasteur, nous qui vivons dans les grandes villes, l'image du pasteur, de berger, de brebis, c'est peut-être un petit peu moins évident. C'est pas nécessairement le décor dans lequel nous vivons à tous les jours. Mais c'est une image qui est très, très forte dans la Bible, dans toute l'histoire. D'Israël, bon, en commençant par le roi David, vous vous rappelez un petit peu l'histoire du jeune David, justement, ce jeune garçon qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Les prophètes ont parlé abondamment, justement, de cette image du berger. Donc, quand Jésus se présente, quand Jésus se déclare comme le bon pasteur, bon, il n'y a absolument rien de neuf. Cette image est présentée tout au long de l'histoire sainte. Et quand on dit l'histoire sainte, c'est quoi? C'est l'histoire des relations entre Dieu et son peuple. L'image très ancienne, très, très forte, qui nous a accompagnés depuis très longtemps. Vous savez aussi que dans les catacombes, dans l'église des Roms, l'église des persécutions, justement, une des premières images qu'on a trouvées dans les catacombes, c'était Jésus le bon pasteur, Jésus qui porte toujours une brebis sur ses épaules. À Noël, dès qu'on commence les évangiles, l'histoire de Noël, vous vous rappelez, l'ange va s'adresser d'abord au berger. Vous vous rappelez? Les bergers sont très présents dans les histoires bibliques. C'est vrai aussi dans le monde aujourd'hui, dans les différentes sphères de la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés, les pays, les nations, les gouvernements, les partis politiques, le club de sport, veulent avoir toujours un leader fort. Hein? Si on n'a pas un leader fort, ça ne va pas bien.
Ça prend un leader fort, ça prend aussi un chef qui rassemble, un chef qu'on a le goût de suivre. Sinon, ça donne ce que ça donne. On voit justement depuis plus qu'un an avec l'histoire de la pandémie, le monde entier est touché par la pandémie, et on voit justement comment c'est important d'avoir de bons leaders, de bons chefs qui prennent de bonnes décisions, à travers lesquelles on se sent protégé, on prend soin de nous, on va se soucier de nous. Quand un peuple, une société n'a pas un chef, un bon leader, c'est pas fort. On n'ira pas très loin. La même chose aussi sur le plan ecclésial, sur le plan pastoral. L'Église, le diocèse, les paroisses, on demande et on prie toujours pour avoir toujours un bon pape, pour avoir toujours un bon évêque, pour avoir toujours un bon curé. Chaque organisation, chaque communauté, chaque famille a besoin toujours d'avoir un bon leader. Et un vrai leader, un vrai, parce qu'il y a toutes sortes de leaders, un vrai leader, c'est celui qui connaît son monde et qui l'aime. Tout son temps, sa personne, ses charismes, ses talents sont toujours au service de ceux et celles qui, envers qui il est appelé, choisi. Il est entièrement au service des autres. Je donne ma vie. Hein? Le leader se donne toujours entièrement, justement, pour être au service des autres. Et les leaders, ils vont accepter même de passer des moments difficiles. On n'a pas besoin de leaders seulement quand ça va bien. En passant, c'est très, très rare quand tout va bien. Un leader accepte aussi de passer des moments difficiles, des moments d'épreuve, remise en question, même quand ça va très mal, il faut que le leader soit là et qui nous dirige. Toujours pour le bien de tous, pour le bien collectif. Jésus, le bon pasteur, il se déclare le bon pasteur, il a reçu une mission de son Père. Ça, vous savez, à plusieurs reprises, il a répété, « Je suis envoyé par mon Père. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé parce qu'il m'a confié une mission importante. C'est la mission de rassembler ses enfants. Voilà, c'est ce que Dieu le Père souhaite pour tout le monde. Qu'on devienne une famille. Qu'on devienne ensemble. Fini les divisions, les chicanes, les criques, des petits groupes ici et là. L'union, l'unité, la famille finalement réunie. Jésus transforme notre dispersion en fraternité. Voilà, c'est la mission. Évidemment, il a payé pour, il a payé très très cher, parce que ça n'a pas été évident. Ce n'est pas évident justement de transformer dispersion, la chicane, la division en unité et fraternité. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup d'énergie. Mais c'était ça, justement, sa première mission. Et c'est la raison pour laquelle nous, encore aujourd'hui, 2000 ans après que ces paroles ont été dites, nous avons toujours un regard contemplatif sur le Jésus, le bon pasteur. On ne prend pas à la légère, c'est une image ancienne, c'est dépassé, il est temps de passer à autre chose. C'est toujours avec un regard d'amour, un regard contemplatif, qu'on regarde aujourd'hui Jésus, notre bon pasteur, Jésus le vrai berger. Pourquoi un regard contemplatif? Ce n'est pas contempler pour contempler. C'est pour qu'il y a aussi une suite de choses. Cette contemplation peut aussi peut nous éclairer, peut nous donner aussi des forces nouvelles pour nos engagements. Jésus, peut-être à notre grande surprise, Jésus insiste beaucoup. La différence entre un vrai berger et les mercenaires. Donc, la contemplation de Jésus, le bon pasteur, peut nous éclairer aussi, peut nous aider à démasquer. En passant, c'est pas toujours une mission facile, démasquer, dénoncer les gens qui sont en autorité et qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Tout le monde nous dit, je suis à votre service, tout ça, mais bon. Dénoncer les gens qui sont en autorité et qui ne pensent rien qu'à eux, qui pensent juste à leurs intérêts personnels plutôt de ceux des gens dont ils s'occupent. Mais
l'image du bon pasteur a aussi une autre conséquence. L'image du bon pasteur signifie également la relation personnelle entre Jésus et chacun de nous. Vous savez, j'espère que vous le savez, que dans le christianisme, la base de notre façon de voir les choses, de notre relation avec Dieu, de notre foi, notre façon de voir la foi, dans le christianisme, la base et la fondation de tout, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous étiez au courant de ça, hein? Ça, c'est la base de tout. Dans le christianisme, la base, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est dans cette relation privilégiée avec Jésus, il faut vraiment le dire et le souligner, nous sommes privilégiés de vivre de cette relation, nous nous sentons choisis, aimés, respectés, encouragés. Jésus, le bon pasteur, répond à nos besoins fondamentaux. Être connu, être considéré, être protégé. C'est tellement beau, justement, de contempler l'image du bon pasteur. Et tout ce que ça comporte aussi. C'est tellement beau. Jésus aussi nous dit que, je connais mes brebis. On ne parle pas ici d'une connaissance d'ordre psychologique. Ça va toujours plus loin qu'on pense. La connaissance que Jésus a de nous, c'est une connaissance qui vient aussi de la connaissance de Dieu, de son Père. Jésus connaît le Père. Il connaît le Père. Il est le seul à le connaître. Et en même temps aussi, il nous donne aussi de le connaître. Il nous donne la chance de le connaître, Dieu. Grâce à Jésus, on a appris tellement de choses sur Dieu. Croire en Jésus, donc, c'est quoi? C'est entrer dans l'intimité du Père. Grâce à lui qu'on peut avoir cette relation intime avec Dieu. C'est grâce à Jésus qu'on a tout ça. Je pense qu'en méditant sur le trait de Jésus, le berger qui donne sa vie, qui aime ses brebis, je pense que notre foi a la chance de se rallumer, a la chance de se renouveler, a la chance de se fortifier. Je ne sais pas, en ce temps-ci, votre foi a l'air de quoi? Est-ce que tout va bien au niveau de votre foi? Ça se peut que le temps de la pandémie, toutes ces remises en question, toutes les difficultés, les scandales, on critique à gauche et à droite. C'est sûr que l'Église de nos jours n'a pas nécessairement une bonne réputation, les prêtres non plus. Ça se peut peut-être qu'on a perdu un peu de foi à cause de tout ça. C'est pour ça que constamment on revient à l'image de Jésus le bon pasteur, pour renouveler notre foi, rallumer notre foi. Je pense que le fait de croire en Jésus ressuscité, reconnaître Jésus comme celui qui nous guide, a aussi des conséquences concrètes. Il y a toujours quelque chose de concret. C'est pas juste croire en Jésus, c'est pas juste de venir à la messe du dimanche et réciter pendant 60 secondes « Je crois en Dieu » et la vie est belle. Ça va toujours plus loin qu'on pense. Croire en Jésus, adhérer à Jésus, c'est en même temps, c'est aussi prendre certaines positions dans ma vie, avoir certaines convictions sur l'ensemble de la vie. C'est ça la véritable foi, c'est ça la véritable adhésion à Jésus, c'est se positionner sur plusieurs sujets, touchés, délicats, sous l'essence de la vie, sous la justice, sous la peur de vieillir, de souffrir, de mourir, sous le respect des personnes, sous l'argent, sous l'économie, sous le sexe, sous la société des consommations, sous l'environnement. Nous, les chrétiens, parce que nous croyons en Jésus, nous avons notre façon de voir les choses, y comprendre les choses dans la vie de la société. On n'a pas toujours le courage de les dire. Souvent, même avant de les dire, on se sent déjà rejeté. Dans une société de plus en plus laïque, on a de moins en moins d'espace dans l'espace public pour dire tout ça. Mais adhérer à Jésus, c'est aussi c'est tout ça. Chers amis, c'est aujourd'hui de répondre à l'appel de Dieu qui n'arrête pas de nous appeler, d'être des brebis du Seigneur, d'être ses amis, d'entendre sa voix et de là aussi de mettre en lui toute notre confiance. Amen.
proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce dimanche des prières pour la vocation, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Le Seigneur, le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix, pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Nos communautés paroissiales sont appelés à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Sur l'écran, vous voyez la photo de la petite Kayla Christina, qui sera baptisée cet après-midi ici à l'église Saint-Martin. Donc nous prions pour la petite Kayla, nous prions pour ses parents, nous prions aussi pour son parrain, sa marraine. Nous avons mis sa photo parce que anciennement, je dis à l'époque, quand il n'y avait pas de pandémie, les parents ils présentaient toujours les bébés à la communauté. C'est impossible présentement, donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette façon de vous présenter les futurs baptisés. Je vous demande de prier aussi pour les enfants de la catéchèse. Justement, présentement, les jeunes de nos deux paroisses sont en catéchèse virtuelle avec leur catéchète. C'est leur dernière catéchèse de l'année, en attendant le temps plus favorable où on puisse justement célébrer le sacrement d'initiation chrétienne. Nous prions aussi pour les paroissiens qui n'ont pas pu se joindre à nous parce que les places sont limitées dans nos églises. Et on nous demande aussi de prier pour Mme Stéphanie Fournier-Paquette. C'est sa famille, ses amis qui nous la recommandent dans nos prières. Stéphanie qui est très, très malade. Donc nous prions ensemble pour Stéphanie. Ensemble, Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, tu es venu vers toi qui nous donne ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous ne les épaules, te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La messe d'aujourd'hui, en ce dimanche le 25 avril, nous prions ensemble pour Marie-Anna Arsenault. La messe a été offerte par la famille Michel Arsenault. Nous prions aussi pour Madame Huguette Martel de Guire. La messe a été offerte par la famille de Guire. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans votre prière en Église, à la page 18, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ces temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur,
que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, les sacrifices de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, le membre de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu partout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pidis, Saint Martin et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire maintenant avec confiance notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix du ressuscité, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeant entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et s'asseoir.
Annonce paroissiale, c'est sûr que présentement, on n'a pas grand-chose à vous annoncer. Au niveau des activités paroissiales, nous sommes présentement très, très, très limités. 25 personnes, et évidemment aussi toutes les fêtes qui habituellement, justement, qui ont lieu durant le temps pascal. En général, avec le mois de mai qui s'en vient, le mois de juin qui s'en vient, il y avait déjà, donc, on vous annonçait déjà de belles célébrations comme première communion, comme confirmation, la fête de la fidélité, la fête de Dieu. En ce temps-ci, on est très, très limité, on est un petit peu, on ne peut pas faire grand-chose, surtout toutes ces occasions aussi qui suscitent des rassemblements en famille, des rencontres, des parties, des fêtes en famille, sont vraiment à déconseiller. Donc, on se donne encore quelques semaines pour voir comment la situation va évoluer avant de planifier quoi que ce soit. Surtout les jeunes des parcours sont en attente. Comme vous savez, l'an dernier, il n'y a pas eu de première communion, confirmation non plus. Donc, on attend maintenant pour voir comment la situation va évoluer. La situation vraiment est très, 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 très limitée. Nous sommes privés donc de nos paroissiens. C'est pas vrai que 25 personnes par messe, que c'est ça qui va faire vivre une paroisse. On s'entend que ça prend un peu plus que ça, mais bon, la pandémie oblige. Nous sommes en train de travailler maintenant sur l'envoi de lettres de dîme dans nos deux paroisses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, en 2020, quand la pandémie nous a complètement surpris, on a décidé de la retarder un petit peu. On l'a envoyé seulement à l'automne, au début octobre. Mais cette année, on ne peut plus attendre. On s'est dit, bon, on va la faire quand même en temps habituel. Donc, l'envoi de l'aide de dîme se fait toujours habituellement au mois d'avril, mars-avril. Donc, bientôt, vous allez recevoir de lettres de dîme. On compte toujours sur votre grande générosité, soutien financier pour votre communauté paroissiale. C'est pas 25 personnes qui, à la messe, qui vont justement assurer la survie de l'Église paroissiale. On s'entend que cette année, au niveau de l'objectif, c'est pas une année où on va faire des grands travaux. C'est pas le temps pour changer la toiture de l'Église, c'est pas le temps pour faire des travaux urgents. On fait le strict minimum pour assurer le fonctionnement de la paroisse sur le plan pastoral, sur le plan administratif. Il y a des salaires à assurer, tout ça. Donc, la situation est très, 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 très complexe. Nous avons donc besoin de votre générosité d'avance. Donc, je vous remercie de votre grande générosité et de soutien aussi pour votre communauté paroissiale. Donc, dimanche prochain, nous nous retrouvons de nouveau à l'église Saint-Pédis, puisque déjà, il n'y aura plus de conflits d'horaires. Donc, la messe de 10 heures, dimanche prochain, nous allons retrouver notre belle église Saint-Pédis comme d'habitude. Il y a toujours un petit changement au niveau des messes en semaine. Ceux qui fréquentent la messe en semaine, il y a un petit changement pour la messe du jeudi et du vendredi. La messe du jeudi est présentement le matin à Saint-Pédis. La messe du vendredi et l'après-midi à l'église Saint-Martin. Vous avez tout ça aussi dans votre séminaire. Lèvons-nous maintenant pour notre dernière prière, la bénédiction, aussi la communion qui va suivre. Les gens qui nous ont suivis, il y a toujours à peu près une vingtaine de personnes qui nous ont suivis en direct. Les paroissiens qui nous ont suivis, vous pouvez vous présenter tantôt pour la communion. Nous sommes à l'église Saint-Martin. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Corps du Christ.